Bonjour le roi Fodop. On a très bien dormi. Bonjour la reine étoile. Tu veux savoir ce que manger? J'ai pas encore mangé. Quand je suis réveillée, ma priorité c'était de venir faire une vidéo. Donc je demande l'assistance de nos ancêtres, dans la présence du Saint-Esprit. Que ce que je vais dire ici puisse vous toucher, que ça vous apporte des réponses. Toute âme qui a été forgée contre vous, je déclare que ces âmes sont sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je ne sais pas à quelle heure toi tu vas regarder ça, peut-être tu vas regarder plus tard. Deux choses. La première, tu es au milieu d'une bataille. Tu es au milieu d'une bataille. Tu es comme... Et quand tu es dans une bataille, contrairement à ce que tu avais avant, quand tu étais dans la bataille, tu ne connaissais pas ce qui t'arrivait. Tu ne savais même pas pourquoi est-ce que ça t'arrivait. Genre, je me suis réveillée ce matin, mais pourquoi vous venez m'attaquer? Pourquoi j'ai des pensées comme ça là? Pourquoi? Tu ne connaissais pas. Il y en a parmi vous, vous avez des étoiles tellement fortes. Certains d'entre vous, vous avez toute votre vie, vous avez douté de votre beauté. Vous êtes quelqu'un de très attirant. Et ce n'est que maintenant que l'esprit te révèle en fait que tu es quelqu'un ou quelqu'une que tu es censé même penser avec ta beauté. On est censé te connaître sur TikTok à cause de ta beauté. Alors qu'en grandissant, on te frustrait tout le temps. Regarde-toi là-bas, tu as un gros ventre. Maintenant, tu as des abdos, hein. Mais il y a toute l'image du gros. Comment on t'insultait quand tu étais petit, tu avais le gros ventre là. C'est l'image qui restait dans ton esprit. Et malgré le fait que tu as aujourd'hui, tu as deux, trois enfants, dans ta tête, tu es toujours cette femme-là. À une époque, tu étais grosse. À une époque, on se moquait de toi. Alors que les choses ont changé. Hein. Quand on te complimente, au moment de dire que tu es belle, tu ne dis, ah pardon, laissez ça. Ah pardon. Moi. Dans ton esprit, tu es restée cette femme. Qu'on insultait quand tu étais petite, on se moquait de toi. Je suis là aujourd'hui pour remettre les pendules à zéro. Je vais remettre les pendules à zéro. Premièrement, il faut que tu comprennes que le Seigneur a mis des choses en toi que tu dois utiliser dans notre génération, dans cette saison-ci. Deuxièmement, depuis que tu écoutes mes vidéos, tu as commencé à croire, tu as osé croire. En fait, tu as eu le culot de croire qu'il y a quelque chose en toi. Tu as eu le culot de croire que tu peux lancer ta propre entreprise. Tu as eu le culot de croire que tu peux lancer aussi ton propre business. Que tu peux acheter le terrain. Tu es qui? Non, tu as osé croire que tu peux acheter le terrain. Ah oui. Tu as osé croire que tu peux avoir la voiture. Jusqu'on te, on voit, c'est ta propre voiture. Et
Tu as commencé à payer ta dîme. Tu as commencé à te laver avec le sel. Tu as commencé à faire tes déclarations. Tu commences à dire que tu te vois avec une grosse voiture. Tu te vois en train de voyager pour aller en Europe. L'ennemi redoutait ça. Le but de l'ennemi dans ta vie depuis que tu es né, c'est que tu n'oses pas croire que tu peux faire quelque chose. C'est pour ça que tu as grandi avec la grand-mère là. Tu vois cette grand-mère là qui passe le temps à t'insulter là, non? Vaut rien. Dès que tu fais un petit truc comme ça, en faisant que tu as giflé. C'est pour ça que tu étais avec tes cousins là. Tu vois tes cousins là qui sont tous en baigne depuis là, non? Tu as déjà dit, Seigneur, mon temps là, ce sera quand? When? Tu as posé des questions fatiguées. Bonjour, partagez ma vidéo alors. Partagez ma vidéo alors. Nathalie, bonjour. Baby, calm down. Calm down. Fall down. Bonjour la reine Josée, bonjour la reine Germaine, bonjour la reine Armelle. Partagez ma vidéo. Ah super, la reine Laure. Tu as suivi le traitement de l'huile d'olive, ça t'a soigné. Super. Mal d'oreille disparu, ça c'est super. Bonjour le roi Francis Yamse. La reine Vanessa, bonjour. Ce que je suis en train de vous dire là, vous inquiétez pas. Si vous ne validez pas l'UV là, vous allez revenir valider ça. Vous allez revenir au rattrapage. L'ennemi vous attend au rattrapage. Et tu vas beaucoup batailler pour enlever les pensées qu'on t'a mis dans ton quartier. Tu vois le quartier où tu as grandi là? Tu vois le quartier là, non? New Bell là, tu vois? Village, le fin fond du village là. Quand tu arrives là-bas, tu prends la moto, tu paies même encore 1000 francs avec la moto. Tu prends un autre voyage. Le fin fond là que tu as sauté seulement sur les cailloux pour entrer dans ta maison. Tu vas apprendre à te lever de ce lit où tu pensais que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien avoir. Petit à petit, le Seigneur va te mettre des gens sur ton chemin. Tu vas tomber sur des vidéos comme les miennes. Et parfois, tu peux ressentir ça en une journée. On te complimente. On dit que, mais tu sais que si tu fais tes vidéos sur TikTok, tu fais un peu le BG là sur TikTok comme ça, là, le beau gosse. Et que tu sais quand tu auras les vues. Tu dis, mais je ne me suis jamais vu comme un beau garçon. Je ne me suis jamais vu comme un beau garçon. Moi, on m'insultait toujours. Regarde. Regarde tes chutes, comme tu as les chutes de cheveux là. Écoute ma chérie, il y a maintenant les frontales. Tu mets ça comme ça là, tu mets ton make-up, tu mets les lentilles dans tes yeux là. Tu regardes comme ça, quelqu'un comme ça là, il dit que yay. Tu as déjà commencé à m'écouter et ça t'a fait avoir le courage. Tu as osé. Quand tu as osé, tu sais ce qui va se passer?
Ils vont riposter. Tu vas rester comme ça là. Les cousins, cousines qui ne te calculaient pas depuis même 6 ans. Hein. Oh. Tu vas les voir te contacter. Ok, il y a quoi? Voilà. Tu te rappelles quand on était petit là, non? Comment on se moquait de toi? Oui. Tu mangeais comme ça là après. Ton ventre était gros comme ça là. Après, tu essuyais l'huile sur ton ventre. Oui, oui, oui. Tu te rappelles? Pourquoi c'est maintenant que tu veux me rappeler ça? Pourquoi? Why? Parce que la personne est partie voir sur ton statut que tu as commencé à prendre les photos avec les beaux filtres. La personne a vu que, oh, donc, vous pensez que les BG, quand ils font leurs photos, les BG ont toujours les façons de faire leurs vidéos là que... Et c'est parce qu'ils ont vu sur les lèvres. Ils font. La femme m'a toujours gagné. Il va lécher ses lèvres 5 fois en 5 secondes. Enfin, il fait ça un peu plus sexy, tu vois, un peu genre. La personne est partie voir. Okay. Je l'ai vu l'autre jour, il s'habille déjà bien. Mais, elle, je la vois sur TikTok, on l'appelle la reine lumière. T'envoie un message sur Messenger, il n'a même pas ton numéro de téléphone. Ah oui, 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 tu vois. Oui, moi et ma femme, voilà, nous sommes à Lyon, ça fait 5 ans, on a acheté une nouvelle voiture, on a déjà 3 maisons, voilà. C'est le complexe d'infériorité. Les gens là savaient que tu étais beau ou belle depuis longtemps. Premièrement, ils t'ont jamais dit. Parfois même, tu as vécu chez eux. C'était les enfants de la maison. Bonjour la reine Marie, bonjour, bonjour. C'était là, donc tu vivais chez eux. Quand on préparait la nourriture, il fallait d'abord qu'on les serve, on leur donne la viande. Maintenant, quand ça arrive, surtout on coupe la viande en deux ou en trois, on te donne une petite partie. Donc, tu n'étais pas censé réussir dans la vie. On appelle ça en anglais le underdog. Le underdog, c'est celui-là que... On sait que, pardon, lui-là... Il n'est pas là à l'école. C'est nous qui avons fréquenté. Mon père m'a payé les études à Oxford, en Angleterre. Toi, tu as arrêté l'école en troisième parce que ta mère était déjà morte. Voilà. Donc, tu venais chez nous, on t'a pris comme bonne. Tu étais la bonne pendant que... Nous, on étudiait la nuit, toi, tu étais en train de laver nos habits. Vraiment, je ne sais pas qui a tiré la vidéo aussi. Quand je me suis connecté, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Donc, cette domination n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Il y en a que quand vous étiez chez eux, leurs mères sont parties faire des incantations pour vous dominer. Et c'est pas la blague. Quelqu'un vient en week-end chez vous, bien, il vient, tu sers la nourriture. Oui, tonton, vous avez besoin de quelque chose d'autre. La mère dit non, 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 va dans ta chambre, va dans ta chambre. La personne a te voit. En partant, il donne 1000 francs à tout le monde. Il te donne aussi 1000 francs. Mais comment te prend pour la basse classe alors que tu es l'enfant de la soeur de cette femme qui est à la maison? Comme ta mère est déjà morte, dès qu'on donne tes 1000 francs, et en donnant la personne dit à la femme là que ta fille, si là, elle a une très forte étoile. Dis-moi, c'est l'enfant de qui? Ah non, 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 tu vois, ma petite soeur qui était partie en aventure, là, elle est morte là. Oui, oui, oui. C'est qu'on parlait, n'écoutait pas là. Oui, 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 c'est sa fille. Elle avait laissé son père en partie.
Allez, va dans ta chambre. Venez, salut tonton, venez, venez. Tonton vient de Washington. Oui, voici, voici papy, voilà Laetitia, voilà. Tonton là vous salue, mais il guette le moment où on sert la nourriture. Il a vu que tu es servant à la maison là-bas. Il sait que quand on va servir, c'est toi qui vas sortir sûrement pour servir. Après, on va te chasser encore que tu pars dans la chambre. Voilà que 20 ans plus tard, je ne sais pas quel miracle, Dieu t'a envoyé en bain. Te voilà en bain aujourd'hui. Je ne sais même pas comment tu as fait. Mais comme on dit que c'est Papa God, tu as pris du temps pour enlever ce manteau sale qu'ils ont mis sur toi. Je suis en train de parler très très, donc je sens que ça va toucher quelqu'un particulièrement. Ça c'est ton message. Tu as pris du temps pour enlever l'image qu'ils t'ont donnée. Ils ont mis ça donc. Tu n'osais pas croire que tu peux faire quelque chose dans ta vie. Et à chaque fois que ça venait un peu comme ça là, il fallait que les enfants de cette femme là ou de cet homme là viennent te piquer encore. Moi j'ai déjà eu mon diplôme, voilà, voilà mon habit que je vais porter le jour de mon graduation. Tu es là, tu n'as même pas le bac. Tu n'as même pas le bac. Moi je fais la licence, après je vais aller je vais aller en Angleterre. Toi tu vas aller où? Thank God, il y a eu la route du Maroc. Thank God, il y a eu la route de la Libye. Tu t'es levé un jour. Tu as dit que, allez, go, go. Tu es parti. Tu es parti. Quand tu es parti, on a insulté. Oh, ta grand-mère a même pleuré. Go, oh, elle est perdue. Pardon, laissez-la. Pardon. Tu as tapé 3 ans en route. 4 ans. Finalement, un jour. On dit, madame, bienvenue. Bienvenue. Attendez. Je suis bénie. Je me bénis encore. Un jour, tu restes. On dit bienvenue, madame. Votre titre de séjour. Maman. Tu t'es couché à la préfecture le vouloir comme ça là que. Oh, Seigneur, 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 merci. Écoutez, il y a un truc sur la vie. J'ai dit toujours vivons, que personne ne meure. C'est pour ça que j'ai pris que mes ennemis ne meurent. Ne mourrez pas. Just live. Live. Just live. Pendant toutes ces années, tu as appris le travail. Tu as appris la fidélité dans une tâche qu'on te confie. Tu tombes en Europe, ça là, tu tombes chez un homme là. Le papa là te prend comme son fils. Maman, il te donne les lettres de recommandation. On te prend, on t'embauche. Tu as là, tu travailles tellement bien. Écoute, tout ce qu'ils ont fait pour cacher ton étoile pendant 35 ans. Je suis là pour te dire que ta saison, c'est maintenant. Ce n'est pas pour rien que tu tombes sur le message ici maintenant. Et je vous dis carrément, il y a des gens de votre famille qui sont allés prendre votre étoile. Et ce n'est pas la blague. Avant, tu ne gardais jamais le boulot depuis 2 mois. Toi-même, tu vas arriver en retard, tu vas gâter ton propre boulot. Tu vas gâter la chose. Mais toutes ces années-là, tout ça, ça a enlevé le cliché mauvais qu'ils avaient mis en toi. Ça a enlevé. Maintenant, le Seigneur te dit, devant là, il y a le miel, il y a le lait. Tu tombes sur un endroit, ça là, tu travailles là-bas 6 ans ou 6 mois. Après, à un moment, le monsieur te donne toutes les clés de tous les magasins. Il dit, c'est toi qui gères maintenant tout. Joseph! Voilà ce qu'on me marque. Joseph, tu es arrivé là-bas comme prisonnier, tu n'avais pas les papiers. Quand tu n'as même plus dans l'entreprise là, en Turquie. Le monsieur t'a embauché sachant que si un jour on fait le contrôle là-bas, c'est même lui qu'on va pénaliser. Mais il t'a quand même pris. Aujourd'hui, il est prêt à partir se donner en garant pour qu'on te donne tes papiers. L'histoire de Joseph là, c'est pas seulement dans la Bible, c'est pas, ça reste pas seulement dans le cahier là.
Il y en a parmi vous, vous m'écoutez, vous êtes des Joseph. Joseph avait le manteau de plusieurs couleurs dans sa jeunesse. Ses frères sont partis enlever. C'est 15 ans plus tard que ce qu'on avait donné depuis qu'il était né là. Parce que le temps de Dieu, oh, est sweet. Tu vas comprendre pourquoi tu avais dit passer au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, on t'envoie pour faire business au Maroc. Tu arrives là-bas, tu parles avec les Marocains, tu connais comment ça fonctionne. Après, on t'envoie au Nigeria, tu dis, ah, je comprends pourquoi j'avais dit passer par le Nigeria. Tu connais toutes les villes, tu connais Abuja, tu connais Lagos, tu connais Delta State, tu connais ceci. Tu dis, hey, Seigneur. Donc, tu m'as fait traverser tout ça, tu me préparais pour diriger l'entreprise aujourd'hui qui va aller dans tous ces pays-là. Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. Mettez mes cœurs, pardon. Si vous voulez pas mettre mes cœurs, vous quittez. Quittez ma vidéo. Tu restes comme ça. Quelqu'un porte les clés d'une entreprise qui vaut 1 million d'euros. Il te donne, il dit, je pars en vacances pendant 2 semaines. J'ai. Tu dis, ah, Seigneur. Quand il y a un truc à faire, il t'appelle. Tu décides quoi ici? On fait comment? Tu dis, ah, Seigneur. Certains d'entre vous, quand vous allez voir votre vie dans 6 mois, tu vas pas croire. Les papiers que tu cherches depuis 8 ans là, qu'on t'a déjà donné. Le boulot même. Et c'est qu'il y en a parmi vous que vous avez tellement bien travaillé quelque part que les patrons là attendent seulement qu'on vous donne les papiers pour vous positionner dans l'entreprise là encore plus haut. Tu vas dire, hé Seigneur. Donc c'est tout ça que tu avais prévu pour moi. Waouh. Vous devez oser croire ce que Dieu vous montre. Vous devez lancez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Il y en a parmi vous, vous allez lancer votre chaîne finalement, votre chaîne YouTube. Il y en a parmi vous, vous allez lancer les vidéos TikTok là, vous allez finalement faire les vidéos là. Vous ne devez pas abandonner parce que vous êtes en train de traverser une période mentale, une bataille mentale. Et je le dis encore, si ce ne sont pas les anciennes connaissances qui reviennent, ce sera vous-même qui allez, vous allez vous retrouver tomber sur les vidéos pour vous détruire vous-même. Donc
Faites très attention à ce que vous écoutez. Assurez-vous qu'à tout moment, ce que vous écoutez, ce sont des messages qui vont vous garder le cap. Focus. Et surtout l'action. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Le Seigneur m'a demandé de vous dire que cette fois-ci, la peur, là, c'est une fausse, c'est un voile. Donc, n'ayez pas peur, avancez. Ce sont des choses qu'ils ont prévues pour vous décourager. Maintenant, c'est à toi de te rappeler. Et parfois, pour te rappeler, ce n'est pas facile parce que tu es habitué à te dénigrer toi-même. Voilà, je suis idiote. Tout ça, ça n'arrive qu'à moi. Oh, quel idiote. Oh. Tu vas arrêter ça. Je pensais même que je suis qui? Je pensais même que je pourrais faire ça ce que les gens aiment. Non, tu vas faire, on va aimer. Tu peux avoir 10 critiques, 2 compliments. Prends les 2 compliments là, tu gardes dans ton esprit. C'est ça ton carburant. Joseph, c'est au milieu de ses frères. Avec papa, ça faisait 12 personnes. Donc tu crois que tu seras au-dessus de nous. Donc tu crois que tu vas nous dominer. Ça veut dire que personne à part lui ne croyait en lui. Ça n'a pas empêché que Joseph avance et qu'il accomplisse ce qui était sa destinée. Vous devez arrêter arrêter de compter trop sur les gens. Moi, je te dis non. Toi aussi, tu te dis non. Nous deux, déjà, ce n'est pas suffisant. Pourquoi tu as besoin d'une autre personne? Et les gens vont venir parfois vous faire peur avec les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils vont venir faire que leurs peurs soient vos peurs. Non, ce sont tes peurs. Reste avec tes peurs. Sur TikTok, hier, j'ai posté une vidéo où je suis allé faire un sacrifice à l'eau. Maman, pour voir comment les gens m'ont fusillé sur TikTok. Oh, tu vas appeler les mauvais esprits. Oh, tu as ceci. Hein? Vous devez vous rappeler de ce que Dieu vous a montré, de ce qu'il vous a dit. Et écoutez-moi, personne ne peut vous faire du mal. Avant, il devait atteindre votre esprit pour vous mettre à terre. Maintenant, là, c'est fini. Et c'est que pour vous, c'est dur. Tu es toujours habitué que tu appelles toujours ton oncle, il te fortifie. Tu appelles telle personne. Mais te donne en t'appelant pour. Tu vas bien? Ouais. Non, 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 je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Mais avant, c'est moi qui la remontais, non? Qu'est-ce qui se passe? Nawati. Ah. J'ai pris ma dose, j'ai pris ma pilule du bonheur matinal. Oui, j'ai pris ma pilule, j'ai pas oublié. Ah non, des forgets. Rachel Tanga, c'est toi-même qui te dénigre. Tes soeurs croient que tu as l'argent. Oui. Mon argent est en route. Tu dis alors que je n'ai rien. Toi-même, tu vis dans tes propres poches avec ta bouche. Écoutez, si vous croyez que j'ai l'argent, ben, il faut que j'ai l'argent que vous croyez que j'ai. Let me have the money. Money, money. Money, on croit que tu es. Money. Money, 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 money. Money, 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 money. Laissez-moi avoir. Ah, écoutez, hein. Avant que j'ai l'argent, les gens croyaient déjà que j'avais l'argent. Un jour, je me suis assise et j'ai dit que mince. Comment avoir l'argent que les gens croient que j'ai? I must fulfill your prophecy. Je dois accomplir votre prophétie sur ma vie. I must fulfill your prophecy upon my life. In the mighty name of Jesus. Vous croyez que j'ai l'argent? Je dois avoir l'argent que vous croyez que j'ai. Si tout le temps on te demande l'argent, tout le temps on te voit, oh, maman, toi, tu es une bosse, toi, tu as l'argent. T'as l'argent? Est-ce qu'on peut pleurer l'argent? Toi, tu viens. Pardon, Jocelyne, sors. Pardon, on ne peut pas pleurer l'argent pour se mettre avec nous, non? On va faire comment?
gonna have the money. Let me have the money. Vous pensez que les ah non, tu as l'argent. Ah oui, oui, j'ai l'argent. Mais oui. Mais oui. Mais mon argent, c'est pas pour te donner. C'est pas pour. Mais écoute, mon argent a des projets dessus. Parce que parfois, pour te mettre au challenge, ils vont dire, ok, comme tu as l'argent, alors donne-nous, montre-nous. Non, 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 non. Mon argent est planifié. I am busy. Faites attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Parce que parfois, vous faites ça pour... J'ai même vu une autre stratégie qu'ils ont au pays. Mon père me fait ça tout le temps. Quand tu le contactes, bon, bonjour papa, ça va? Wow, les problèmes, les problèmes. Wow, les problèmes. Il y a d'autres personnes qui anticipent. Ils anticipent avant. Je ne dis jamais. Je ne fais jamais ça. Ton dialogue, quand tu es en présence de tes millions, que tu es en train de compter, ça doit être le même que quand tu es en présence de quelqu'un qui veut te gratter l'argent. Mais j'ai l'argent, moi. I got the money. C'est juste que ce n'est pas pour te donner. Si j'ai l'argent, pourquoi je vais prendre mon argent pour te donner? Pourquoi? Tu as fait quoi? Bonjour, le chevalier. Hein? Comme ça qu'on joue avec votre mental. Bon, comme tu as l'argent, c'est où? Montre, achète alors ça. Hé, hey, je ne suis pas là pour vous prouver quelque chose. J'ai l'argent, regardez ce qu'il porte. Je m'en fous de ça. C'est parce que vous avez le mental que si j'ai l'argent, il doit acheter la chaussure, il doit acheter... Non, 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 non. Tu veux le prouver quoi, qui? Les gens qui ont vraiment l'argent, là, c'est très difficile de voir ça sur eux. Il y a encore une mauvaise conception de l'argent que vous avez. L'autre jour, je parle avec un de mes fils, là, il me dit, ah, et maman, voilà déjà des personnes qui ont même 10 millions posées quelque part. Je leur ai vous ai dit que 10 millions, c'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle l'argent? Les gens qui sont riches, ce ne sont pas les gens qui ont porté l'argent, ils ont déposé dans un compte. Chaque jour, ils regardent sa balance, son solde. Ils disent, ah! Le soir, ils regardent. 50 millions. Non. Les gens qui ont l'argent, 10 millions entre aujourd'hui le matin. Le soir, il lui reste 500 000. Le lendemain matin, 13 millions entre. Le soir, il reste 850 000. Le matin encore, 50 millions, pam, il prend, il dépose dans tel truc. Tac, il lance sur le chantier, il fait ça. Celui qui a l'argent, ce n'est pas celui qui a 15 000 euros dans son compte dormant. Au contraire, celui qui a 15 000 euros dans le compte et que ça ne coule pas, il a peur. Celui-là vit dans la peur. Arrêtez de vous laisser impressionner par les gens que oh, tu as vu son compte. Hey, il a 5 millions dans son Orange Money. Hein. Peut-être c'est depuis 5 mois qu'il a 5 millions. Et toi, en 5 mois, tu as déjà dépensé près de 40 millions. Donc l'argent, ce n'est pas le lac. L'argent, c'est la rivière. Ça coule. Ça coule, ça n'a pas fait telle chose. Ça coule, ça n'a pas fait telle chose. Tu as des gens que tu allais voir, ils ne sont jamais bloqués. Tu as n'importe quelle situation. Il sait que tu appelles, il y a tel truc, il te dit que donne-moi une heure de temps. Il revient avec 5 millions, il dépose. Donne-moi 2 jours. Il revient, il te dépose 40 millions là. Toi que tu as tes 15 000 euros là-bas, si on te pose un problème de 10 000 euros, 10 000 euros, c'est parti déjà, non? Donc, changez votre mindset par rapport à l'argent. Le pauvre, il vient, il regarde son petit argent comme ça là, il couvre encore, il garde. Après, il regarde encore, il garde. Après, encore, ah, il garde. Ça, c'est les pauvres, ça. Et le pauvre pense toujours, donne-moi, donne-moi. Il ne pense pas à semer. Quand j'emploie les gens, je regarde d'abord au départ, je t'observe beaucoup. C'est, mes employés doivent au moins prendre 3 mois pour gagner ma confiance. Tu vois, quelqu'un vient d'arriver. Le salaire sera combien? Hein? Tu vois, 16h59. Il dit, madame, il est devant la porte. Je voulais rentrer, madame. C'est déjà l'heure. Madame, il me faut le contrat. Ça fait 3 semaines que tu es dans mon entreprise. Pourquoi elle te signe un contrat?
Pourquoi? Tu me rapportes quoi? Je te paie 100 000, tu me donnes 150 000. Je peux te jeter, je peux t'envoyer. Tu t'envoies au champ. Celui-là que tu vas voler là pour le long chemin avec toi, il vient, il veut seulement travailler. C'est toi qui l'arrête même pour dire que, pardon, viens, on discute de ton salaire, non? Madame, il y a quoi à faire? Il y a quoi, madame? Voilà, je peux faire ça. Je suis partie au marché, j'ai regardé, madame, on peut utiliser ça. Mais je te paye combien? Non, madame, laissez d'abord, je fais le service. Dimanche, il écrit le matin, madame, vous avez besoin de moi aujourd'hui au bureau. Il quitte chez toi dimanche à 22h. Même si celui-là te demande n'importe combien pour le salaire. Tu sais que j'ai quelqu'un qui veut semer. Changer le mindset. Je suis sortie de chez moi à 7h30. On est censé commencer à 8h. Tu vis à... là-bas, à 10 ou à 11. Tu as 45 minutes de trajet pour arriver. Tu sors chez toi à 7h30. À ton avis, tu vas arriver au bureau à 8h00. Bon, parfois, vos patrons, là, ils ont raison. Vous devez persister. Vous devez persévérer. Il y a une vision que Dieu t'a donnée. Quand tu as reçu cette vision, c'était tellement clair. Dès que tu as commencé à déclarer la vision dans tes prières, ou bien à commencer à payer, peut-être louer le local, hey, et problème. Je dis, mais c'est quoi ça? Peut-être qu'il faut que je fasse, mais écoute, tu dois avancer. Tu as commencé à payer ta dîme. Tout ton argent est bloqué. C'est là que tu dois payer même ta dîme chaque jour alors. Chaque jour, tu envoies 5 000 dîmes. La Bible dit que l'ennemi rôde. Il cherche celui qui va dévorer. Donc quand tu déclarais que je me vois avec mon entreprise, je me vois au Canada, j'ai le titre de séjour, écoute, il est hier, il a compris. Maintenant, quand Dieu t'envoie faire quelque chose, il n'a pas dit que ce sera sans adversité. Quand Jésus est venu, il dit, oh, je viens sauver les enfants de Dieu, je viens les sauver. Il y a eu la croix, non? Quand tu tombes enceinte, on dit que tu vas avoir l'enfant. Quand tu passes quand même 2 jours de contraction, ça fait mal. Tu pousses, ça fait mal. Tu s'assois même, ça fait toujours mal. Dieu t'a promis le bébé, non? Mais il n'a pas dit que ça va se passer facilement, non? Il t'a promis que non, ça c'est sûr. Tu vas accoucher. Tu conçois l'enfant d'où? Dieu, comment ça se fait que le truc là pour sortir, ça fait mal comme ça? Ah! Maman, quand il va accoucher, j'ai dit que ça c'est le piège, ça c'est le guet-apens. Maman, on m'avait dit que non, les contractions c'est un peu comme quand tu as tes règles là. Yeah. non, pardon, excusez ma vie, c'est pas la même douleur. Je me rappelle quand je reçois les premières contractions, j'avais 22 ans. J'ai ça les premières contractions. Après un moment, j'ai dit que hey, ici je commence à pleurer maintenant. Et je ne connais pas combien de jours de travail j'ai. Yeah.
Peut-être que je sais le cœur. J'ai fait 3 jours de travail. J'ai accouché le 3e jour. Les contractions ont commencé. J'ai accouché le 3e jour à 19h. Ça a commencé le 1er jour. Le jour où j'étais censée accoucher. J'ai ma poche d'eau s'est percée à 3h. J'ai accouché 3 jours plus tard à 19h. Donc demain là, après demain là, l'autre jour là, le 3e jour, à 19h. Pendant le temps, ils ont dit que pardon, je ne veux plus. Il dit que je ne peux plus avancer. Bon, je ne peux plus reculer. L'enfant est dans mon ventre. Parfois, vous devez avoir la mentalité de penser un peu, méditer un peu sur la grossesse. Vous allez voir qu'il y a des rêves ou des promesses que Dieu vous a faites. Tu te disais que quand ça va venir, ce sera facile. Maman, tu rencontres l'homme de ta vie, entre guillemets. Vous traversez une période où vous avez tous les problèmes de la terre. Tu dis que yeah. Dis-toi toujours que ce que j'ai vu au départ, je dois pousser pour avancer. C'est pour ça qu'on dit à madame, on dit à la femme que pousse, madame. Pousse. Tu dois pousser pour que ça sorte. Parce que tu ne peux pas avaler l'enfant là, non. Est-ce qu'il va encore redevenir sperme ou bien ovule? C'est mort. Seule option devant. La prochaine fois que vous allez vouloir abandonner un projet que vous avez commencé, pensez à ça. Que quand c'est dans ton ventre, ça a déjà poussé. La contraction a déjà commencé. Tu ne peux que accoucher. Tu go bon âme. Tu te lances, tu es arrivé au Maroc, tu es calé. Tu es en Turquie ou en Libye, tu es calé. Un jour, tu te lèves, quelque chose te dit que rentre. Gars, rentre. Je suis enceinte, je vais faire comment? Je vais pousser, je vais qu'arriver là-bas. Je vais qu'arriver. Il n'y a pas plus, il n'y a pas 5 ans. Ago, arrive. Aïe, aïe, aïe. Vous me comprenez, non? Parce que c'est ça votre bataille. C'est ça votre bataille. Et quand tu pousses, généralement, quand tu dois traverser un plafond qu'on avait dit dans ta vie que tu ne peux pas traverser, tu vas avoir les douleurs les plus atroces, que ce soit mental, que ce soit physique, que ce soit financier. Maintenant, quand tu traverses ça, c'est un peu comme quand la fusée veut sortir de l'atmosphère terrestre. Quand ça va sortir là, tu regardes, tu as vu les vidéos, il y a beaucoup de résistance. Et puis quand ça pousse, pouf, ça arrive au-dessus là. Ça commence à flotter, tout devient calme. Donc là. C'est le genre de calme qui arrive. Et parfois, quand tu es dans la douleur et la détresse et la dépression, tu pousses avec une idée qu'un jour ça va aller. Je me bats pas seulement pour moi, mais pour mes enfants. Pas seulement pour mes enfants, mais pour les enfants de mes enfants. Si je pousse et j'obtiens les papiers ici, aucun de ma descendance ne sera plus camerounais. Ils seront peut-être français, ils seront belges, ils seront, je sais pas. Mais l'affaire de manque de papiers, là, ce sera éradiqué dans ma descendance. Donc tu es en train de briser une malédiction générationnelle sur les générations. Donc, il faut beaucoup pousser. Certains d'entre vous, vos mères, ta mère a eu des opportunités quand elle était jeune. Quelqu'un est venu de Mbengi, voulait l'épouser, partir avec elle. On allait visser encore ta mère, bien visser comme ça là. Après l'opportunité là, c'est déjà disparu. Comme ça que toi, tu n'as jamais eu les papiers. Tu es toujours resté avec ton petit passeport camerounais là. Maintenant tu as une opportunité, quand tu as 22, 23 ans, 25 ans, tu avances aussi. Et là, tu comprends. Tu as l'adversité. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a un changement générationnel qui est en train de se passer. Peut-être que tu as composé l'examen là même 5 fois pour devenir infirmière. Tu es fatigué.
Parce que c'est toujours quand il y a c'est la fin là. Quand c'est derrière la fin là. Je dis peut-être que je ne suis même pas censé avoir le diplôme là. Peut-être il laisse. Pousse. Écrivez ici là que pousse. Parce que souvent vous écoutez seulement, vous faites comme si vos pouces là ne marchent pas. Tu vas pousser, après tu vas voir que tu vas t'habituer à un nouveau niveau. Et ça va devenir maintenant la routine. Tu vas t'habituer à toucher peut-être 5000 euros le mois, alors que pendant des années tu étais sur 1200 1500 euros. Dès que tu prends le diplôme là, pas tes finances mensuelles changent pour toujours. Du coup, tu peux acheter une grande maison, tu peux avoir maintenant ton titre de séjour, tu es infirmière diplômée. Donc vous allez repartir encore faire la chose là, vous allez insister. Ok, voilà. Bon, c'était la dose matinale. Si vous savez que vous allez pousser, c'est bon, vous poussez. Une épouse âme. Vous allez repartir faire vos vidéos. Les vidéos que vous avez abandonnées, là, vous allez repartir faire ça. C'est un peu ça. Bon, vous passez une bonne journée. Hein. Il y aura lavage, il y avait lavage hier, donc il y aura lavage jeudi. Mais ceux qui sont qui veulent le lavage physique, vous pouvez toujours venir à Makepe. Libreville aussi, il y a les lavages. Le message que j'ai donné aujourd'hui, c'est très... Mes messages, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je ne me casse pas beaucoup, parce que je sais que c'est pour des personnes qui sont sous attaque extrême. Attaque extrême. Doute infini. Découragement intense. Et quand elle parle comme ça, là, ton cœur se resserre. Tu te fortifies. Tu repars encore. C'est ça le but. Donc vous allez repartir à la besogne. Ok? Baby, calm down. Calm down. Calm down. N'oubliez pas votre joie. Ok? Regardez toujours ça, vous mettez sur votre dos comme ça là. Comme le sac à dos. Another banger. Bonjour Sydney. Sydney, bonjour. Ça va? Comment tu vas? Tu te portes bien, j'espère. Bonjour Henriette. Alors, bienvenue. Bienvenue sur ma page. Alors, comment était ton week-end? Alors, j'espère que vous avez pu accomplir vos rêves pendant ce week-end, parce que moi j'ai eu les miens, voilà, je peux réaliser beaucoup de choses, vous voyez, j'ai des portes qui me sont ouvertes, voilà, et puis même si ça s'ouvre pas, voilà, je mets mon pied dedans et puis voilà, ça s'ouvre. Ouais, de quoi je parle là?
toujours regardé le moral, tu sais, parce que tout va bien se passer. Et puis, bon, voilà. Tu vas pas laisser une petite personne te décourager comme ça. Non, tu peux pas le faire. Tu peux pas te permettre. Parce que tu as traversé trop de choses pour arriver là-bas. Tu peux pas. Ah, bonjour, la reine Christelle. Comment tu vas? Je crois que j'ai mangé un petit crapaud qui me fait parler comme une. Je ne sais même pas. J'ai fait l'accent gabonais. Les Gabonais ont un accent trop marrant. Ok? Quand tu arrives, tu dis bonjour. Tu es camerounaise? Il dit. Ça m'amuse trop. Moi, il ne veut pas partir. J'adore. En fait, je trouve ça marrant, c'est tout. Aïe. Je pense que les Ivoiriens et les Camerounais se ressemblent beaucoup. Ouais. Leurs accents. Et c'est fou parce que l'accent gabonais est très contagieux. Je rencontre beaucoup de Camerounais au Gabon et puis quand je leur parle, ils ont oublié l'accent camerounais. Oh, tu peux pas partir là-bas. Après moi, je lui ai dit de venir ici. Après, on va. Je dis, hein? Mais vous qui là-bas, tu mets le doigt là, non? Ah, moi, je sais pas. Moi, j'ai oublié l'accent camerounais. Et puis le pire, c'est que quand ils partent à Douala, on croit qu'ils sont gabonais. Ils arrivent au marché, ils parlent comme les gabonais. Oh, c'est comme ça qu'on les escroque sur la nourriture. Oh là là, ça me fait trop rire. C'est combien? Tu me dis c'est combien? C'est combien? On dit bonjour. Excusez-moi. Ça m'amuse, toi, désolé. Mais les gens, les femmes gabonaises sont très gentilles. Même si elle a fait beaucoup d'amis. Elles sont très gentilles. Elles bavardent beaucoup, les gabonais bavardent beaucoup. Hey, vous connaissez bavarder où? Qui? Oh, je suis là sur mon téléphone. Ok. Mais c'est j'aime. Ah, quand Gamonès veut te dire quelque chose, elle va prendre d'abord l'historique, la Genèse. Après, on va passer par Lévitique. Après, on va passer par les juges. Il dit que, ouais, viens à Matthieu, non, c'est comment? Oh, ça me fait bien sourire, j'aime bien, ça me plaît ce matin. Vous devez. Il y a beaucoup d'entre vous, vos finances se sont attaquées actuellement. Je disais ce matin à une de mes filles, c'est un problème de perception. Ok? Ce que tu as vu depuis 2 mois que tu m'écoutes, c'est quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Donc, de toute ta vie, tu ne t'es jamais vu en train d'avoir 500 000 euros ou bien d'avoir une maison de 1 million d'euros. Mais depuis 2 mois, tu as émis des désirs puissants. Tu as demandé des choses que, genre, tu n'oses même pas dire à quelqu'un que j'ai demandé ça. Bon, je crois que tu savais quand même que le diable ne va pas te laisser faire ça comme ça, non? D'où l'adversité qui est en train d'arriver. Maintenant, je veux que tu comprennes que quand un roi dit sa chose, ou bien il donne un commandement, le roi ne discute pas avec quelqu'un. Il dit, il sait que ce sera fait. Donc, vous devez garder le cap. Parce que vous êtes dans une bataille de perception, une bataille mentale. Que tu croies que ton argent est en train de venir ou que tu ne croies pas, ça ne change pas le fait que ton argent soit en train de venir. Que tu
crois que tu es belle ou que tu ne crois pas, ça ne change pas le fait que tu es belle. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les jours où vous vous sentez super sexy? Like, I'm feeling myself. C'est un jour où tu te regardes. J'ai envie de rien faire. Tu te maquilles pas aujourd'hui? Non. Je veux même pas qu'on me drague. Quelqu'un te drague. Qu'est-ce que tu trouves de bien sur moi? Pourquoi je me drague? Tu poses les dents. Tu te oins. Est-ce que ça change ton corps là? Ça change. Tu es tout belle, non? Le jour où tu croyais que tu étais belle, le jour où tu croyais que tu n'es pas belle, est-ce que tu n'as pas changé? Maintenant, tu dois t'entraîner. You have to get used to. Tu dois t'entraîner à te voir tel que tu es. Riche, prospère, belle, aimée, pleine d'amour. Donc tu te lèves, tu mets devant le miroir. I'm feeling myself. Hey. Mais, la fille, elle se prend. Oh yeah. I'm feeling myself. Donc quand tu te lèves chaque matin, tu as le choix. J'ai pris le cas de figure de votre corps parce que ton corps est là. Et tu vas voir que les jours où tu te mets vraiment et tu te crois belle. Si tu remarques bien l'apéro, là tu auras des gens qui vont... Waouh! Nice! Certains dragueurs vont même te t'appeler encore. Donc c'est un jeu de perception. Tu dois t'entraîner pour percevoir correctement. You need to see right. You need to perceive right. Make sure at all times that your mind is telling you the right thing. That you're not saying something that is a lie. I'm beautiful. I'm strong. I'm powerful. Whatever I feel like, I'm still beautiful. Parce que parfois, vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qui sont envoyées pour vous décourager, pour vous insulter. Des personnes qui ne croient pas en elles et qui sont choquées que vous croyez en vous. Mais on a grandi ensemble, non? Tu es ma cousine? Non. Non, mais son soeur, non. Comment ça se fait que tu crois que tu peux être une célébrité aux États-Unis et moi? Hein? On sort de Tonga? Non. Toi, tu sors de Tonga, moi, je ne sors pas de Tonga. Je suis née de nouveau. J'ai changé. Je suis une nouvelle personne. Donc, j'espère que ça arrange les choses dans votre tête. Et s'il n'y a même personne autour de vous qui croit pour l'instant, n'est-ce pas, vous me regardez, je crois en vous, non? Vous me regardez, non? N'est-ce pas? Ok. Parfois, je te lève, tu veux faire un business. Tu ne sais pas que les 5 premières personnes à qui tu vas parler de ce business vont déterminer si le business va vivre ou pas. Oh non. Moi, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Hein? C'est dur, la ville, c'est dur. Oh, comment tu vas faire? Toi, tu viens d'Europe, tu ne connais personne, tu n'as pas de relation. Qui va acheter? Soyez très prudent. C'est comme ça qu'ils ont tué beaucoup de vos rêves. Je rêvais d'être une avocate. Moi, je rêvais de partir au Canada. Moi, je... Tu es parti dire aux gens, non. Tu n'as même pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Regarde ta mère, elle souffre au village. Tu vas trouver 4 millions pour partir au Canada ou en Angleterre. Regarde tes parents, comment ils souffrent. Tu dis, c'est une vidéo. Tu laisses. Donc voilà, tu as laissé. Tu as tué ton rêve. Donc fais très attention. Pour moi, je me dis toujours, si c'est entré dans ma tête, ça va être un peu. If it touched my mind, I'm able to do it. If it touched, if it entered my mind, man, I can do this thing, man. I can do this thing. I can do it. I can do anything. Because Christ is in me. He strengthens me. Je peux tout faire en Christ. Si ça a traversé mon esprit, si l'idée est entrée dans ma tête, jusqu'à j'ai vu que... Bon,
Je sais qu'il y en a, vous maîtrisez déjà ce truc. C'est très spirituel. Il y en a, vous maîtrisez déjà ce dont je vous parle. Je suis là juste pour vous rappeler, ça c'est tout. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Il y a des gens qui me regardent qui n'ont jamais commenté. Il y en a qui me regardent qui ont beaucoup de business déjà, qui sont en train de fleurir. Et ce que je dis, ça vous aide. Vous passez une superbe journée. Je vous envoie plein de cœur. Plein de cœur, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day starting. It's time to sing Your praise today. Whatever may come and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to shout. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, my strength is weak and my heart is gone, forever I will keep on singing Your praises. 10,000 reasons for my heart to shout. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like now. Worship Your holy name. Jesus, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Restez toujours dans l'adoration. Restez toujours dans l'adoration. I keep hearing voices in my heart say I'm not enough. For every single ray you wreck my heart, I will never leave. Mm.
Le Seigneur est toujours au trône. Hein? Peu importe ce qu'on ressent. Que tu te sentes forte ou pas. C'est pour ça qu'à tout moment, tu dois te sentir forte. Tu dois te parler. Tu dois te commander d'être forte. Tu ne peux pas tomber. Saute, tu vas voir. Tu ne pourras pas tomber. Quand la Bible dit, aie bon courage, ça veut dire que le courage, là, c'est toi qui dois prendre. C'est toi qui dois prendre le courage. You gotta take it yourself. You know. Nobody's gonna go to give it to you, you know. Nobody. Je vais parler autant que je peux et que je veux. Mais vous-même, vous devez, you have to pick yourself up. Tu dois te relever de ce lit où tu es couché là. De la dépression dans laquelle tu es. You speak life into yourself. Tu parles la vie dans toi-même. Que Jocelyne, tu vas avancer. Tu vas avancer. Ton magasin là, ça va marcher. Tu vas ouvrir le magasin là. Ça va réussir. Bon, vous passez une très bonne journée. You say I am love. When I am wrong, you ain't got no faith, and I am yours, and I believe.